bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2. Évidemment, comme d'habitude, bah 4K 60 FPS, hein, tu connais la musique je pense, j'ai rien à t'apprendre. Et surtout, un j'aime et un commentaire. Let's go pour notre épisode 24. Mais qu'est-ce que tu fais? Hé mon pote, tu te sens bien? J'ai besoin de ce costume. Vite. Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière? Je me souviens juste que j'étais crevé. Vite. Tu n'es pas toi-même. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Ouais, il est plutôt cool, hein? Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur. Hé ! Arrête ! Je me mets en quatre pour essayer de te sauver. Tu pourrais me remercier ! Je t'ai dit d'arrêter. J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça ? Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. T'as raison. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. Comment ça s'est passé avec Harry? Ben... Vous en faites pas. Harry va se remettre. Merci. Merci d'être là pour lui. Je vous ai vu grandir ensemble. Tu es comme un fils pour moi. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Merci, Monsieur Osborne. Il faut que j'y aille. Va-t'en, je t'ai dit! Il y a du boulot. Et comme d'habitude,
Je peux compter que sur moi-même. Bon, c'est moi le héros. Peter, où est Miles? Il n'est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Allô? Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne ne peut se débrouiller tout seul? Je dois toujours tout faire. Ça va pas du tout, les gars. On prend la mauvaise direction, hein, j'ai envie de vous dire. En ce moment, ça fait 2-3 épisodes, 3e maintenant, hein, que ça commence très très fort. C'est chaud. C'est showtime. C'est showtime. Y'a pas un petit Crims? Putain. On n'a pas commencé sur un Crims. Je me demande dans combien de temps Venom va se manifester. Je suppose que là, il est toujours en cours de transformation et d'appropriation de Peach Parker. Ok, on va aller voir la Madre là. Non, mais les gars, si je lui fais du mal, ça va partir en couille. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est là au calme. J'ai 2 points de compétence à me mettre. Bah, on va se les mettre, hein, les gars, les points de compétence. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le projectant symbiotique provoque une réaction plus forte et inflige davantage de dégâts. Au diable l'avarice, on est là pour se faire plaisir. Et le frérot, frapper des ennemis paralysés, recharge, ok. Et là, la méga décharge bioélectrique génère de la concentration. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Allez, on va s'améliorer quelque chose, les gars. On va se la mettre, si je puis me permettre cette expression. Toc toc, ça c'est pas mal ça, hein. Les attaques aériennes consécutives infligent davantage de dégâts, jusqu'à 50% supplémentaires. Toucher le sol remet à 0. Allez. Oh waouh. D'accord, en fait j'ai payé pour les deux. On a quoi en déplacement? Rien. On a quoi en truc? Rien. Et en santé? Bon bah les gars, allez au diable l'avarice aussi, hein. La santé, faut que ça augmente. Et après encore des jetons de héros. Oh, il me faudra des champs de héros à chaque fois, ça c'est terrible. Vous gagnerez un peu de santé tous les 10 combos. Waouh. En fait, c'est la concentration qu'il va falloir que j'améliore vraiment, je pense, hein. Parce que ça, c'est vraiment, ça me paraît assez insane. Ouais, ça me paraît assez insane. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Direction le musée, évidemment. Non, je suis sûr qu'il va bien. Mais tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil de moi. Miles? Je vous ai appelé. Ça fait des heures, et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverais! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Oh, le coup de pression de la mama. Oh, le coup de pression terrible. Comment j'ai atterri là? Ok. Ça va? Ah, ça va moins. La sécurité rigole pas ici. Oh waouh. Ça a pas marché. On ferait peut-être qu'avec les autres. Et de fin. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Voilà. Ça me fait un petit passage. Ok. Bon. Oh ouais. Ouais, c'est des vrais cachots ça, frère. C'est quoi ces conneries là? Ok. C'est qui ce type qui m'a assommé? Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent? Attends, je suis pas au courant pour Kraven ou quoi là, les gars? Cette petite araignée là au bichon, le grand Spider-Man peut-être. Le petit là. Les petits sont souvent plus rapides. T'es pas curieux? Si Kraven est curieux, moi aussi. Mais pour moi, y a pas photo. Waouh.
comment je peux faire? Bah écoutez, les plus petits sont plus rapides. Vu que je ne sais pas comment m'occuper d'eux au calme, on va s'occuper d'eux à l'ancienne. Voilà. Ok. Du matériel de Scorp. À quoi ça vous sert? Yo, c'est ce qu'on appelle une entrée stylée. Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans? Qui? J'ai besoin de toi, mon vieux. Okay. Oh, ça, c'est une arène, ça. Ça ressemble à une arène. C'est carré comme une arène. C'est quoi, ce truc? Ok. C'est quoi, ces épisodes de Zinzin? Du poison. Ok. Je dois dégager de là. Ces générateurs doivent alimenter les ventilos. C'est mieux, mais pas suffisant. Il faut que j'active les autres. Non. Mais je comprends pas. Et voilà. Un de plus. Et ensuite, le last. Le last, les gars. Oh, waouh. Ok, ça va. Cette porte. J'ai... Ah, si ma vie. La ok, ma vie baissée de ouf en fait. Ma vie baissée de ouf. Vous savez où se trouve la sortie? Yo les gars. Quoi? Tu pourras jamais partir d'ici. C'est ce que je commence à penser. Ok. Ça, je m'en débarrasse vite parce que vous savez à quel point c'est relou. Ça sert à quoi tous ces pièges? À t'évaluer. Ah ouais, tu veux m'évaluer? Moi! Moi! Quoi, on doit t'éclater. Ok. Eh bien. Je les ai tous eus. Vous êtes gourmands un peu par ici, hein. Sortie. J'ai l'impression qu'ils m'attendaient tous. Cet endroit est gigantesque. J'ai bien l'impression aussi. Les chasseurs savaient qui je suis vraiment. Et s'ils m'avaient retiré mon masque? Et si... Gormky, est-ce que tu me reçois? Quoi? S'il te plaît. Wesh. Et si... Ils s'en étaient pris à lui? Et s'ils avaient eu ma main? Ok. Kraven réclame plus de drones rapaces à l'étage. C'est qui doit bien s'amuser. D'habitude, tout pas aussi longtemps avec la nourriture. Ok, ok, ok. Ah, encore des chasseurs. Kraven a l'air de penser que c'est la proie ultime. Je me demande si c'est vrai. Il y a de l'électricité dans l'air. Ouais. Après tous ceux qui ont échoué, c'est comme si rien ni personne ne pouvait le tuer. Ouais, on verra bien.
C'est trop stylé. C'est trop stylé. Première fois qu'on fait ce type d'infiltration sans être sur l'étoile. Bien. Et B. Ils ont espionné Pete. Est-ce qu'ils l'ont vu? Un enregistreur? Toutes les nuits, je rêve de mon dernier moment. Mon corps reposant sous le ciel de mes ancêtres, dans un champ fertilisé par leur débâcle. Tandis que les flammes consument ma dépouille, leurs larmes tombent des étoiles. Car j'ai réussi où ils ont échoué. Il n'y a qu'un égal qui pourrait goûter mon dernier souffle et me renvoyer enfin dans les profondeurs paisibles de l'enfer. Ok. Je pourrais défoncer la porte. Ça ferait du bruit. Il y a peut-être un autre moyen. Encore de l'infiltration, j'aime bien. Pour le mieux. Oh salopard. Tu es où? Je peux pas la voir. Ok. Allez. Ok, c'est pas grave. On aura fait une bonne partie en infiltration tout de même. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené. Mal à y croire. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. C'est évident. La lumière naturelle m'a... D'accord. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est... Ok. Ok. C'est stylé. J'aime bien. On m'accueille plus souvent comme cela. Ah.
Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous. À mort. Vous mourrez ici ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Oh, waouh. Ok. Sauter par-dessus les attaques. Horizontal. J'en ai assez de perdre mon temps à combattre des minables. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que t'es envie de me tuer. Mais je ne peux pas te faire. C'est pour l'instant, je suis super chaud. Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air. Mais ne sous-estime jamais ton adversaire. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Okay. Je sais ce que j'ai fait. Vous imaginez même pas. Kraven vous a pris au piège. Vous êtes là de votre plein gré. Épargne-moi ta condescendance. On est dans la même arène. Tu ne peux pas me vaincre. Spider-Man ne tue pas. Attends un peu de me connaître. Waouh! Oh waouh! Il est rapide! On est dans Naruto ou quoi, les gars? Le pouvoir de Lee! Il bloque le mien! Bouge! Reste au sol! Ce sera rapide! Oh waouh! Ouais! Bioélectricité, pareil! Voilà! À présent, montre-nous la force! Okay. Ma bioélectricité bleue va peut-être me servir. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait. Ok, je vais quoi j'ai pu faire en tâté. Ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses. Ok. Je vais vous voir souffrir, comme vous m'avez fait souffrir. Allez. Hop. Très bien. Allez, juste une petite ouverture. Oui, enfin, un combat digne de ce nom. Wow. Allez, tiens, un caillou dans ta mère. Je rigolais. Ah, mais c'est un sous-anneau, frère. L'énergie négative va me retourner la tête. Méfie-toi de ces attaques, l'araignée. Il risque de te dépouiller. Je ne veux pas avoir à te tuer. Waouh. Vous avez peut-être changé, finalement. Ça suffit comme ça. Oh, pas assez rapide. Oh. Non. C'est toi, reste au sol. Va-t'en.
C'est chaud, hein, les gars. Je parle pas parce que là. Allez, mort. Oh, Susano encore? C'est pas vrai. Frère, c'est l'abus, là. Ce sera la dernière fois que vous ferez du mal à quelqu'un. Quelle platitude! Derrière l'autre araignée, il y a un homme, moi. Ça suffit. Vous savez rien, allez. Moi. On va faire ça à ma façon. Où tu te caches ? Je pense qu'il va me sauver la vie. C'est pour ça qu'il a ouvert au-dessus les vitres. C'est pour se racheter. Ça, c'est toi. Je crois. Ok, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon, terrifié d'être seul, et à l'idée de trahir sa famille. Faut gaspiller votre salive! Vous m'échapperez pas! Je crois, hein. Le fait qu'il ait cassé la vitre au-dessus, qu'il a dit on va faire à ma façon. Tout le monde a un point de rupture. Même Spider-Man. Il suffit tout simplement de le trouver. Et sache que j'ai tout le temps nécessaire pour creuser en toi. Laissez ma tête tranquille. Laissez ta tête. Oh, j'ai peut-être une image en tête. De choses à voir là-dedans. Je mens peut-être, je sais pas, je ne sais rien. Tellement de doutes. Non, je vous écoute pas. Tu es fort. Où penses-tu être aussi fort que tu le prétends? Arrêtez-les! Il est où? Miles. Hit? T'es à la ramasse. Je veux dire, j'ai essayé. J'ai essayé de t'apprendre, de faire de toi un héros. Je savais très bien que tu serais les dernières secondes, mais... Tu sais rien faire à part décevoir les gens. Les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Ok. Toi, tu leur fais du mal. C'est pas vrai. J'y suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi que tu déçois. C'est ton père? Non. Alors, tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment, Miles? Ramenez-vous, Lee! Creusons encore. Lee, venez vous battre! Une bonne fois pour toutes, venez vous battre! Je sais pas, je me dis, il y a peut-être un monde où il m'aide, en fait. J'ai l'impression qu'il m'aide. C'est bizarre. T'es taré ou quoi, Miles? Je ne suis pas naïf, Lee! Ouais, bah moi non plus. Je suis toujours là pour toi. Je me coupe en quatre pour toi. J'écoute toujours pas. Ouais, ça m'étonne pas que tu dises ça. Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein. Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. Tu mets Ailey en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais, je... Okay. Les accessoires. C'est tout ce qu'on est. Mais on terminera comme Finn. Conky. Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais... En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non! Surtout après la mort de ton... La ferme! Ça prendra fin dès que tu le souviendras, Rex. On finira par le laisser entrer. Mais en attendant, débat-toi. Ah!
Parce qu'on dirait que les petits trucs avant, c'était pour que je farme tous mes pouvoirs, tu vois. Où es-tu ? Je sais pas, je suis peut-être fou. Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon ? Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seule. Je cours encore plus de dangers. Non ! Je vais te protéger ! Compte sur moi ! J'ai déjà entendu ça. Je te promets ! Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman ! Mon père m'a dit, le matin même, que tout ce qu'il faisait... Non ! Non, non, non ! Miles, je t'en prie, je t'aime. Ça suffit, Ellie. Miles. J'ai dit ça suffit. Ok. Pour moi, ils mettent, je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Alors, comment ça va, fiston ? Ça me fait du bien de te revoir. Bon. Ça a changé depuis mon départ. T'es devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man peut pas protéger tout le monde, alors qu'il pourra ? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends. Je garde un œil sur toi. C'est vrai ? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé ? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Non, tu le penses pas ! Je peux plus esquiver, je peux plus rien faire, c'est normal. Hein. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non ! Vous diriez jamais ça ! Aucun vous ! Je suis pas... Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non. Abandonne. Non, jamais. Abandonne. 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 Ok, j'ai fait spray de canet. C'est quoi ça ? Flux inversé ? Bah, allez, elle a un rond. Ça marche pas. Ça marche pas. Bah, frère, je peux plus diriger rien là, à part la vue. Elle a un rond, ça ne marche pas. C'est bugué. C'est, je peux rien faire. Ça marche pas les gars, c'était bugué. Voilà.